Un top. Allumage. À toute. Décollage. Formidables images. On voit les paramètres à peine le lanceur Soyouz parce que ce qui ressort sur nos images avec ses camarades poursuites qui arrivent à suivre notre lanceur, eh bien, ce sont les gaz de combustion, c'est la lumière de ces gaz éjectés par les tuyères. Vous voyez qui laisse une traînée dans le ciel et qui nous permettent de le suivre. C'est superbe, 415 tonnes de poussée au décollage, ergol éjecté sous bonne très stabilisation forte pression. Du lanceur. 20 moteurs du corps central et des boosters à la manœuvre avec 20 tuyères qui propulsent le lanceur. Et puis Soyouz en fait est dirigé par 12 tuyères des petits moteurs verniers situés à la périphérie des moteurs principaux. Moteurs ces petits moteurs qui servent en fait étage, à maîtriser, à corriger très finement la direction. Donc les carburants, c'est le kérosène et l'oxygène liquide, comme pour les autres étages sauf le dernier étage, le frégate. Les boosters pèsent au total près de 180 tonnes. Ils vont permettre à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Regardez, ils viennent de se séparer, ils tournent dans le ciel comme des quilles de jonglage. C'est très très beau. Séparation pour ceux qui apprécient ce spectacle, même s'il est loin, voici les images d'un vol précédent en caméra embarquée. Vous voyez, c'est superbe. Soyouz qui pesait 309 tonnes au démarrage, et bien après séparation des boosters, il pèse plus que 98 tonnes en moins de 2 minutes. Le lanceur perd pratiquement les 2/3 de son poids. Il continue à pousser après séparation des boosters. Donc, on a.